évolué. Et vous ? Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Musique au cœur a décidé ce soir pour prolonger en quelque sorte l'éclat des fêtes qui viennent de s'achever, puis pour vous souhaiter une magnifique année 1998, de vous offrir quoi ? Non, pas de canard, enfin j'ose l'espérer. Mais une petite poule noire. Alors une poule, pourquoi aujourd'hui on dirait une belle plante? Vous voyez, c'est de cela dont il s'agit. Constance, c'est une belle plante. Et pourquoi noire? Parce qu'elle est veuve. Alors vous connaissez le proverbe populaire, veuve noire du soir, espoir. Et justement,
Il y a deux êtres exceptionnels qui nourrissent l'espoir de voler au secours de Constance et de son chagrin. Le premier, comment vous dire, c'est un jeune homme extrêmement sémillant et séduisant. Il s'appelle Berbiki, alias Fidelio, et si j'ose dire, il ne caresse pas que l'espoir de la sortir de son chagrin. Il aimerait caresser peut-être les formes de cette belle plante. Et le second, c'est Monsieur Lajoie, c'est le papa de la poule noire. Et lui aussi, il rêve d'arriver à extirper de ses trois longues années de deuil sa fille, cette petite Constance. Il aimerait qu'elle cesse de se vêtir de piles de crêpes, de crêpes de deuil. Et la question qui se pose, j'en suis sûre qu'il vous angoisse terriblement, c'est est-ce que la poule noire va se changer en veuve joyeuse? Est-ce que la veuve noire va se changer peut-être en poule joyeuse? Je ne le sais pas, on va le savoir tout à l'heure, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous allez découvrir la musique la plus exquise, signée par le plus talentueux, le plus séduisant aussi, le plus jeune du haut de ses 93 printemps. J'ai cité le maestro Manuel Rosenthal qui nous fait l'honneur et le très grand bonheur d'être avec nous ce soir pour suivre, pour couver sa poule. Merci maestro et très très bonne année à vous. Fais bien ma guimpe et donnez Madeleine mes gants de filoselle et mon châle de laine. Bien, madame. Encore une chanson d'amour. Voyez discrètement d'où vient la sérénade. Ce sont les musiciens qui viennent chaque jour pour vous donner l'aubade. La romance est jolie. Et vous va droit à l'âme. Fermez bien la fenêtre. Et si je vois leur maître, que faudra-t-il lui dire? Qu'on ne veut le connaître et qu'en vain il soupire. Bien, madame. Que les rondines et les ne laissent pénétrer plus troubler ma douleur. Cause a day.
je suis bien contente de voir monsieur. Bah, vous avez de la chance parce que moi, je n'y vois rien du tout. Attendez, je vais vous donner de la lumière. A-t-on idée de fermer les fenêtres par un beau temps pareil? C'est justement, monsieur. Madame se plaint que le soleil insulte à sa douleur. C'est rapport au printemps. Mais comment va-t-elle, ma pauvre fille? M'en parlez pas, mon pauvre monsieur. Ça repart encore plus fort, c'est une calamité. Moi, j'en peux plus, hein. Que monsieur se mette à ma place. S'il avait une maîtresse aussi fidèle, monsieur en aurait bien vite assez. Voilà 3 ans que ça dure, et puis ça empire encore. Moi qui pensais la retrouver plus calme. Monsieur n'y pense pas? C'est aujourd'hui la Saint-Léon, la fête de son défunt. Voilà 2 jours que madame est au désespoir. Elle a sangloté toute la nuit. Rapport à un chat qui miaulait dans la cour, que ça la faisait penser au violon de feu son époux. C'est comme hier encore, j'étais parvenue à entraîner madame au jardin des plantes. Oui. Histoire de prendre l'air. On arrivait devant la cage au pan. Vlati pas qu'un de ces maladroits-là, ça vit justement de crier « Léon !» Ah, mon pauvre monsieur, madame s'est affaissée dans un gémissement. Ah bon? C'est tout le temps, lui pareil au même. Il faut vous dire que madame croit maintenant à la métapsychose. Allons bon! Alors n'est-ce pas, dès qu'elle voit une bête, madame croit que c'est son mari. Le médecin dit comme ça qu'elle a été frappée par une auto-suggestion. Mais moi, je sais bien ce que c'est, hein. Depuis le temps que ça dure, c'est une maladie de longueur. Oui, ça va. Bah, en somme, j'ai bien fait de décider de ce voyage, parce que le voisinage de ce cimetière ne lui vaut rien. Alors, dès que ta maîtresse aura trouvé un locataire, nous partirons. As-tu préparé la pancarte, comme je l'ai demandé? Pour louer l'appartement? Ah, oui. Ouais, bah ça, c'est encore autre chose. Madame est allée sur la tombe consulter son époux. Il paraît qu'il veut pas. Comment il veut pas? Non, il veut rien savoir. Ah oui, il ne veut rien savoir. Oui, bien sûr, c'est ce que nous verrons. Non, mais enfin, non, on ne va pas attendre sa réponse. Non, il faudra bien qu'il nous donne raison, vraiment. Ah, c'est lui! Hein? Oui, c'est lui, c'est le petit jeune homme, là, qui vient prendre des nouvelles tous les jours à la même heure, barbare. Le petit Berbiki. Berbi quoi? Berbiki. Et quelles sont les nouvelles, au fait? Toujours mauvaises. Ce pauvre petit mignon, madame n'a jamais voulu le recevoir. Elle lui a fait savoir comme ça qu'elle lui interdisait de violer son domicile. Ah non, bon. Eh bien, moi qui pensais qu'il comptait sur lui, enfin bon, c'est bon. Faites-le donc entrer, je vais le recevoir 2 minutes. C'est ça, monsieur, c'est ça, ça va lui faire plaisir. Mais, allez, allez. Entrez, jeune homme, entrez. Ah. Comment va mon vieil ami, votre père? Ben, très bien, merci, monsieur. Alors, dites-moi maintenant, où en êtes-vous? Avez-vous enfin séduit ma fille? Hélas, monsieur. J'attends encore d'être introduit. Ah ben, ce n'est pas commode, je vous prie de me croire. Oh, enfin, depuis 3 mois, ça que... Mais que faites-vous, enfin? Mais tout, monsieur, tout. Ah, ben oui, moi qui comptais sur vous, hein, pour la sortir de cette maladie noire. Non, parce qu'on ne peut pas s'entêter à 25 ans dans le désespoir. Mais c'est bien ce qui me semble, monsieur. Alors, qu'avez-vous fait? Mais tout, je vous assure, tout. Bon. Tenez, j'envoie des fleurs tous les jours. Bon! Et que je retrouve d'ailleurs inlassablement et infailliblement sur la tombe de l'autre. Bon! Comment bon? Oh! J'écris tous les matins une lettre. Bon! Qu'elle me retourne d'ailleurs sans l'avoir lue. J'ai composé des sérénades, moi, que je fais chanter sous ses fenêtres. J'ai même acheté la bonne. Enfin, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais lui avez-vous seulement demandé sa main? Mais comment je ne fais que cela? Je la lui demande par lettre, par télégramme, réponse payée, par téléphone. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Ben, rien du tout, monsieur. Rien du tout. Avouez que je n'ai pas de chance. Bah. Car si elle consentait à me voir seulement une fois, j'ai l'impression que je lui plairais. Quoi. Qu'elle me trouverait épatant. Ah oui? Bon, détrompez-vous, jeune homme. Parce que vous ne me trouvez pas épatant? Et pas du tout, non. Je connais ma fille, mon ami. Alors, ce n'est pas avec des joues roses, la bouche en cœur et l'air réjoui, hein, que l'on peut faire impression sur elle. Non, l'aspect de santé et de bonheur que vous affichez est tout à fait contre-indiqué. Ah. Oui. Soyez romantique, pâle et défait. Lamentez-vous. Inspirez-lui de la pitié. C'est encore le plus sûr moyen de trouver le chemin de son cœur. Ainsi, prenez son mari. Oui. Elle ne pouvait pas le supporter. Ah bon? Elle ne l'a aimé que lorsqu'il est tombé gravement malade. Ah bon? Et cet amour est devenu de l'adoration le jour de sa mort. Ah bon? Je ne vous dis pas d'aller jusque-là. Hein. Ah bon? Vous m'avez fait peur. Quand même. Mais au moins, tâchez d'éveiller sa compassion. Ah oui, voilà. Mais comment? Oh.
ne vous ai-je pas déjà conseillé de vous casser une jambe, par exemple? Ah ben, vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Drôle. Tant pis pour vous. Ah non, 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 non. Croyez-moi, mon ami. Non, non, non. Il faut hurler avec les loups et pleurer avec les veuves. Oui, enfin bon. Ah ben, la voilà. Alors fuyez, parce qu'il ne faut pas qu'elle vous voie dans cette tenue. Non, tout serait perdu. Hein. Oui. Alors, au revoir et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Hein, oui, oui. De l'astuce, de la ruse, et ma fille est à vous. Au fond. Vous êtes un malin. Vous avez rendu compte. Seulement voilà, ça ne se voit pas. Ah, oui, ah mon père, c'est aujourd'hui sa fête, vous ne l'avez pas oublié. Merci. Mon enfant. Ah, mon pauvre Léon. Avouez qu'il a de la chance d'avoir une femme aussi fidèle. Depuis 3 ans, je dépense ma fortune en crêpes et en couronnes. Ah, ça, tu peux le dire, tu l'as bien couronnée. Ne suis-je pas un vivant modèle d'abnégation? Le plus bel exemple de l'amour conjugal. Certainement. Oh, comme il doit être heureux et fier. Tout cela. Mais Léon. Ah oui, évidemment. Oui. Je me dis quelquefois qu'il est peut-être plus facile d'être fidèle à un disparu qu'à un vivant. Mais malgré tout, je sais que mon attitude a surpris bien des gens. Allons donc. Oui, oui, je vous assure. Un désespoir comme le mien est vraiment exceptionnel à mon âge. Je le sais parfaitement. Et je peux même en tomber malade. Mon enfant, puisque tu t'en rends compte, réagis, que diable! Ne peux-tu prendre un effort sur toi-même et décider dès aujourd'hui de n'y plus penser? N'y plus penser? Mais mon père, y pensez-vous? Et prendre une telle décision le jour de sa fête? Écoute-moi, Constance, moi, je suis venu te voir pour des choses sérieuses et non à l'occasion de la Saint-Léon. As-tu trouvé un locataire? Non, mon père. Mon enfant, nous partons demain. Cette pancarte, qu'en as-tu fait? Elle est là, sur le piano. Je m'en occupe, il n'y a plus une minute à perdre. Mais comment pourrais-je me résoudre à quitter ce cadre dont le moindre bibelot me parle de lui? Lui qui m'aimait tant, qui m'adorait, qui m'entourait d'une telle affection. Sa pipe, son accordéon. Bon, bon, mon enfant, sois raisonnable. As-tu préparé l'inventaire? Oui, mon père. Oh, madame! Oh, monsieur! La maison est prise d'assaut! La rue est morte de monde, les gens! Que le diable vous emporte, ne parlez pas tous à la fois, allez, dehors, dehors. Ah non, 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 non. Ah. Oh mon Dieu. Ce jeune homme en grand deuil. Quelle pâleur, quel désespoir. Que sa douleur fait peine à voir. Vite, un flacon de sel, Madeleine, un fauteuil. Détresse effroyable. Sombre fatalité. Dieux impitoyables qui me persécutez de votre barbarie. Quel cours infortuné. Quel cours infortuné à ma funeste vie aviez-vous destiné? Que dit-il? Je ne sais. J'ai le cœur chaviré. Et il est évanoui. Tout seigneur, respirez.
faut-il que je respire encore quand mon âme abattue par le chagrin qui me dévore, cède au coup qui me tue. Mais quel fatal malheur, pleurez-vous de la sorte? Hélas, ma femme est morte. Fidelio, si je m'appelle, je suis fidèle à mes amours. Et sur la tombe d'Isabelle, je vais prier deux fois le jour. Je fais à pied la route entière, cela me prend une heure au moins. À qui est loin ce cimetière? Ce cimetière de Saint-Ouen. Pour vous prouver que je l'adore, combien mon âme est désolée, en marbre bleu du Labrador, je fais bâtir un mausolée. Aussi je cherche un pied-à-terre d'où surveiller tous ces travaux. Une retraite solitaire qui me rapproche du tombeau. Inquiétude, vous aurez dans ce lieu sauvage le silence et la solitude que réclame votre veuvage. J'ai moi-même choisi, après la grande épreuve, cette retraite aussi pour mes voiles de veuve. Et quoi, madame, vous aussi? Ah, c'est affreux, c'est terrible! J'ai perdu le meilleur des maris. Ah, c'est affreux, c'est horrible! Jamais, au grand jamais! Nul ne pourra savoir à quel point je l'aimais. Quel est mon désespoir? C'était un être unique au monde. Une nature exceptionnelle. Jamais blessure plus profonde. Jamais douleur plus éternelle. Ne passera que plus fidèle. Je m'appelle Constance. Et moi, Fidelio, je maudis l'existence. Sur terre, je suis de trop. Oui, ma douleur est bien semblable. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous mêlerons inconsolables nos larmes vides, nos cendres. Cela vous calme, vous soulage. De pouvoir tout se raconter. Cela vous rend votre courage. On est deux à sangloter sur le veuvage. Je m'appelle Constance. Et moi, Fidelio. Je maudis l'existence. Sur terre, je suis de trop. Oui, ma douleur est bien semblable. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous mêlerons inconsolables nos larmes et nos sons. Ah, mon père, ne vous sauvez pas. Laissez-moi vous présenter Monsieur Fidelio, qui demande à louer l'appartement. Bien. Monsieur Fidelio,
vient briter un grand chagrin, comme moi. Il a eu la douleur d'être frappé dans son amour le plus cher. Une femme adorée vient de lui être ravie, dans la fleur de l'âge, le laissant seul, désespéré et inconsolable. Parfait, enchanté, messieurs. Non, ben je veux dire, enchanté de vous présenter mes condoléances. Monsieur Fidelio a pensé se rapprocher du cimetière, où il fait élever un mausolée. Votre idée géniale. Et je lui loue l'appartement. Parfait, parfait. Alors, je vais de ce pas préparer le bail. Vous prendrez possession du lieu quand il vous plaira. Je laisse à ma fille le soin de préparer l'inventaire avec vous. Je vais chercher le livre et je reviens de suite. Bravo! Tous mes compliments, monsieur Berbiquière. Vous êtes très fort. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Ah, non, 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 vraiment, c'est un vrai coup de maître que vous avez reçu. Là, hein, vous êtes très audacieux. Ah, oui. Mais ce n'est peut-être pas de très bon goût. Ah, évidemment, évidemment. Mais j'aime encore mieux ça que de me casser une jambe. Hein. Et puis, ne m'aviez-vous pas dit qu'il fallait hurler avec les veuves et pleurer avec les loups? Ah, bah, pas à ce point-là, hein. Oh! Sacré Berbiquim! Maestro, una canzone d'amore! Langoroso, amoroso. Comment vous exprimer ma reconnaissance, madame, pour le généreux accueil que vous voulez bien réserver à ma sombre douleur? En seules des paroles comme les vôtres sauraient adoucir, s'il se peut, ma détresse profonde. Or, je sens bien que je pourrais me recueillir et retrouver ici le sourire d'Isabelle. C'était la pièce où mon pauvre Léon se tenait de préférence. Le décor en est somme, comme vous le voyez, et nous allons, si vous le voulez bien, passer rapidement en revue le mobilier, selon les formalités d'usage. Voici d'abord, pour commencer cet inventaire, en bois de violette, un petit secrétaire, où mon cher disparu rédigeait ses mémoires. Il est joli. Il est d'époque directoire. Les bronzes ciselés sont dorés au mercure. Oh, ses livres préférés, Rabelais, Épicure, Victor Hugo! Bel exemplaire en veau marin. Oh, les mémoires d'un veuf, reliés de mi-chagrin. Là, sous le crucifix, son buste en marbre noir et sa photographie. Oh, au mur près de la porte, Vénus sortant de l'onde. Et le flagrant délit du peintre florentin Benozzo Cozzoli. Oui, 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 oui. Oh, une nature morte. Oh, voici du 18e, une tapisserie. Oh, au sujet volatile, une grue et deux dindes. Toute une féerie, quoi. Oui. Un châle en cachemire à la façon des Indes. Un éléphant de jade. Un vase. Un yatakan, oh, un tapis de Trébise, grand dessin disparant. Une commande empire en acajou frisé. Oh, et deux vases chinois de la famille Rose. Que vous avez là de ravissantes choses. Oh, n'y touchez pas, il est brisé. Mon portrait par Durand. Il n'est pas mal, mais ô combien je préfère encore l'original. Vous êtes bien aimable. Avec un tel modèle, on ferait un chef-d'œuvre en lui restant fidèle. Bon, une console, un guéridon bonheur du jour, une lampe d'albâtre à décor d'un amour, une pendule empire et deux flambeaux Louis XVI. Ah, pour l'amour de l'art, souffrez que l'on vous baise! Pardon. Non, c'est pas vous. Une ottomane, une bergère, style rénale, une bergère, une poudreuse, début Louis XVI. Une poseuse, quatre chaises.
Le billet de un chaladour. Une théière est dans vos théières. Une chimère est dans vos Une commode à trois tiroirs. Une pagode, un grand miroir. Une marquise sans te brancher. En la queue grise, une psyché. Dans la vitrine, poignards et dagues et figurines de Copenhague. Une précieuse croix de turquoise, une veilleuse carthaginoise. Et voilà la quittance du loyer de ma fille. Vous en exercerez la jouissance en bon père de famille. Oh, mon père de famille! Je ne dérange pas, monsieur? Non, non, madame, avancez. J'ai vu par le trou de la serrure que monsieur était seul. Vous regardez par le trou de la serrure? Ah oui. Ah oui, toujours? Oh, oui. Ah bon, ça va. Alors je suis entrée sans frapper pour dire à monsieur que il pouvait compter sur moi. Merci, Madeleine. Vous m'aviez reconnue alors? Tout de suite, monsieur. Ah oui. Oh, monsieur peut dire qu'il sait jouer la comédie. Madame en était toute bouleversée. Quant à moi, je ne savais trop comment garder mon sérieux. Je crois que monsieur a produit une forte impression sur madame. Vraiment? Oui, voyez-vous, l'existence qu'elle menait était trop fade, mais oui. Maintenant que monsieur a mis un peu de piquant dans la vie de madame, il n'y a plus qu'à aller s'y cuire dans son jus, tout ça va mijoter, sera bientôt à point. Hein. Madame est toute ravigotée. Mais faut que je me sauve. Hein. Oui. Monsieur, ce n'a qu'à sonner s'il a besoin de moi. Oui, c'est ça, oui. Hein? Au revoir, Madeleine. Elle est mignonne. Assez de grâce, assez, je vous en prie. Et qu'y a-t-il, madame? Je vous en prie, monsieur. Pas de musique de jazz. Le silence est de rigueur dans cette maison. J'avais omis de vous le dire. Oui, c'est vrai, madame. J'oubliais. Je perds la tête. Veuillez me pardonner ce moment de folie. Mais tant de joie, tant de bonheur m'ont fait perdre l'esprit. Mais de quel bonheur parlez-vous donc? Et peut-il être encore question de joie quand on a tout perdu sur terre? En effet, madame, j'oubliais. Je ne sais plus où j'en suis. Je déraille complètement, moi. Je ne vous comprends pas. Est-ce bien vous qui me parlez ainsi? Vous que j'ai vu tout à l'heure, accablé sous le poids de la douleur, me parlant les larmes aux yeux d'une épouse adorée? Et c'est bien moi, madame, en effet, qui vous ai parlé d'une épouse, les larmes aux yeux. Mais au fond, je n'aurais peut-être pas dû. Mettons que je n'ai rien dit, voulez-vous? Enfin, êtes-vous désespéré? Oui ou non? Mais certainement! Si vous n'êtes pas sincère au fond de votre cœur, sauvez au moins les apparences, monsieur. Prenez exemple sur moi! Je lutte, monsieur. Je lutte. Voici 3 ans que je suis dans les crêpes. Ah, mais c'est admirable, madame. Vous êtes le plus bel exemple d'abnégation que je connaisse et le plus beau modèle de l'amour conjugal. Oui, oui, oui. Ah, quel homme ça devait être pour avoir su inspirer une telle passion. Mais qui cela? Mais Léon! Enfin, pardon, je voulais dire votre mari. Détrompez-vous. Léon n'était ni beau, ni intelligent. Il n'avait ni le charme, ni la séduction naturelle qui sont l'apanage de certains jeunes gens. Mais il m'aimait. Ah, ça par exemple, on peut le dire. Ce qu'il a pu m'aimer, cet homme-là, c'est fou. C'est inimaginable. Une idole. Voilà ce que j'étais. Voyez-vous, monsieur, c'est pour cela que je passerai ma vie entière à le pleurer. Et que, de gaieté de cœur, je fais le sacrifice de ma jeunesse.
Ah non, madame, vous n'avez pas le droit. Oh mon Dieu, je ne rêve pas. Qu'avez-vous osé faire? Ici même, chez lui? Ah non, c'est chez moi maintenant, j'ai loué l'appartement. Ah comment? Mais comment osez-vous profaner ce temple du souvenir? Ce sanctuaire de la fidélité? Ah non! Au secours! Léo! Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tout est perdu par ma faute. J'en aurais mis ma main au feu. Non, mais cela devait arriver. Ne vous avais-je pas prévenu que cette macabre mise en scène était du dernier mauvais goût? Non, offusquerait une âme aussi sensible que celle de ma fille? Si vous m'aviez consulté... Ah, ben vous alors? Non. Ne vous désespérez pas, jeune homme. Peut-être y a-t-il un moyen de rattraper la maladresse, votre maladresse, oui. Je vais de ce pas plaider votre cause et tenter de lui expliquer dans quel but vous aviez machiné cette sombre plaisanterie. Bien, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus qu'à sous-louer l'appartement et à faire mes paquets. Écrivons-lui d'abord une lettre d'adieu et dire que tout marchait si bien, je suis le dernier des maladroits. Oh, ça par exemple, un tiroir secret. Une lettre. Ça, par exemple. Et que le diable vous emporte, ne parlez pas tous à la fois. Que se passe-t-il donc? Quel est ce bruit? Quel est ce monde? Et que font ces gens dans ma maison? Nous voulons visiter l'appartement. Et comment cela, monsieur Fidelio? Eh bien, c'est exact, madame. J'ai décidé de sous-louer. Ah oui. Et de quel droit, je vous prie? Ce n'est pas dans nos conventions que je sache, et je vous l'interdis formellement. Je regrette, mesdames, messieurs, il y a erreur. Je suis la seule propriétaire ici, et j'entends être maîtresse chez moi. Veuillez laisser la place, Madeleine. Oh non, retirez l'écriteau. Oh allez-y, monsieur, jouez le grand jeu, c'est le moment de retirer les marrons du feu, là. Quant à vous, monsieur Fidelio, pourrais-je savoir la raison pour laquelle vous désiriez sous-louer? J'ai compris que j'étais de trop, madame. Et j'ai décidé de vous libérer d'une présence devenue importune. Je pars. Je pars pour la chasse aux grands fauves. Et quand reviendrez-vous de la chasse aux grands fauves? Peut-être jamais. Peut-être demain. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. Madame, un accident est si vite arrivé avec les grands fauves. Alors, me pardonnerez-vous ce moment de folie? Mais je ne vous en veux pas du tout. Et puisque nous ne devons plus nous revoir, je puis même vous avouer que, loin de m'être importune, votre présence ne m'était pas tout à fait indifférente. Oh, mais que voulez-vous? Vous ne pouvez pas me comprendre. Comme vous l'aimiez, madame. Ah, mais non, la question n'est pas là. C'est surtout lui qui m'aimait. J'aurais pu, à la rigueur, tromper mon amour, mais trahir un être qui m'a voué une telle passion, qui m'a mis sur un tel piédestal, ah non, 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 jamais, jamais, ce serait une infamie. Oh, toi, toi au moins, mon Léon adoré chéri que j'aime, oh, toi au moins, tu connaissais le prix de l'amour exclusif, tu connaissais la passion unique, tu n'as jamais aimé qu'une seule femme, et cette femme, hein, c'était moi. Non, madame. Cette femme, c'était Loulou. Qu'est-ce que vous dites?
Pardonnez-moi, madame, mais cette plaisanterie a assez duré. Je ne veux plus vous voir dans les crêpes. Vous trompez. Il vous trompait. D'ailleurs, cette lettre que j'ai trouvée dans le tiroir secret du piano en fait foi. C'est écrit sur un air de Java. Ma loulou bien-aimée à la hâte de ce mot. Mon beau-père est un âne et ma femme un chameau. Ils ont tous deux juré de m'emmener dimanche à l'opéra sans s'inquiéter si ça me dit. Aussi j'ai décidé de prendre ma revanche, ça me dit. Achète une poularde et du vin de Jurançon. N'oublie pas la moutarde et les ronds de saucisson. J'apporterai ma pipe, mon accordéon. Je t'aime et n'ai jamais aimé que toi, Léo. Non, non, c'est faux. C'est faux. C'est une infâme calomnie. Eh bien, tenez, tenez, lisez vous-même. C'est Loulou qui l'aimait. Et le seul homme qui vous ait voué une éternelle passion, qui vous ait placé sur un piédestal et qui vous adore comme une divinité, eh bien, c'est cet être extraordinaire, unique, eh bien, c'est moi, madame. Quant à ma femme et cette histoire de cimetière, c'est une blague. C'est une plaisanterie pour éveiller votre pitié. Je n'ai jamais été marié et je n'ai jamais aimé que vous. Oh ben ça, par exemple. Oh ben ça. Oh, ça, c'est trop fort. Oh, ben non. Ça ne se passera pas comme ça. Oh non, ça ne se passera pas comme ça. J'en ai appris. Léon. Oh, au mieux, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais que lui avez-vous fait? Ah, elle est dans un état épouvantable. Alors elle déchire tout, elle casse tout, elle déchire sa robe de veuve, elle piétine ses voiles de deuil. Ah non, je tremble pour sa raison. Eh bien, écoutez, je n'ai rien fait, je vous assure. Bon, eh bien, pour moi, ça me suffit comme cela. Alors, je déchire votre bail, vous n'êtes plus locataire. Ah non, cette atmosphère de cyclone devient intolérable. Vous m'entendez, monsieur Berbiki? Je vous laisse 5 minutes pour liquider la place. Mais parce que je vous dis que je n'y suis pour rien, enfin. Mais c'est le piano. Le piano. Le déclic. Le déclic. Loulou. La lettre. La lettre. Tenez. Tenez. Lisez. Ben, lisez. Mais non, lisez la lettre, vous. Moi? Vous. Ah, moi. Oui. Oh, l'écriture de mon gendre. Oui. Ma loulou bien-aimée, à la hâte ce mot. Continuez. Oui. Mon beau-père est un âne. C'est marqué dessus, voilà. Pas en par exemple. Vertigo. Et costumée en espagnol, elle danse le fandango. Les hommes sont tous des goujats, des scélérats, des saligots. Voyons au sens de la naissance. Ce que l'on croit les plus fidèles vous trompe à tir l'arigot. Attention aux constances. Voyons pas en pétale aux circonstances. Pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Je connais une jeune veuve qui
c'est le désespoir. Lorsqu'un beau jour elle eut la preuve qu'elle avait toujours été moi. Voyons, François, voyons, ma fille. Voyons Constance de la décence qui dès le premier jour dénonce la trompe et attire la rigole. Enfin voyons plus attention Constance, voyons plus regard de circonstance. Elle comprit mes impétences. Sa douleur était de trop et partit avec sa guitare au bras d'un jeune caballero. Je connais en Andalousie une fonda mystérieuse, nous fermerons les jalousies et mènerons la vie joyeuse aux portes d'une lentille. Une lentille portera. Nous passerons la Ségovie au tout de la contre. Portugal, laisse la madure. Ça m'est égal, pourvu que ça dure. Nous danserons en pampelune. Nous danserons au clair de lune. Nous danserons la Ségovie. Je danserai toute ma vie. Célébrerons nos noces à la cathédrale de Burgos. Nous irons vivre à Saragosse et nous aurons beaucoup de gosses. En Afrique, bravo, bravo. Cher Manuel Rosenthal, cher maître, est-ce que ça a été, je sais que vous n'avez pas qu'on dit cher maître, mais je le dis tout de même, est-ce que ça a toujours été, dès le début, cet énorme succès que rencontre la Poule Noire?
Chère Ève, la musique vous doit énormément, je vous dois énormément, et la poule noire vous doit énormément, parce que ma femme, chaque fois qu'il est question de la poule noire, me dit « J'entends encore le rire d'Ève Ruggieri à Lyon quand on l'a donné au cours de ce concert consacré à l'opérette. » Mais c'est vrai, on l'a redonné récemment avec Michel Plasson à la Hallograin. Et il n'y avait pas que mon rire, il y avait le rire de tout le monde. Et avec le recul, qu'est-ce que vous ressentez d'apporter autant de bonheur toujours aux gens qui écoutent votre musique? Eh bien, c'est toujours une immense surprise. Parce que, comme vous savez, cette pièce n'était pas faite pour être représentée. Au fond, nous l'avons conçue, Nino et moi, Nino, mon librettiste, dans un moment de grande amertume. Nous faisions représenter au Théâtre Pigalle, qui a disparu depuis, une pièce à laquelle nous tenions beaucoup, qui s'appelait « Les Bootleggers », qui a eu une presse atroce. Et puis la direction de ce théâtre, à ce moment-là, s'est trouvée sans fonds, ce qui l'a obligé à ne pas donner de publicité à l'ouvrage. Il n'y avait plus personne dans la salle. Enfin, finalement, tout ça nous a laissé un goût atroce et nous avons décidé d'abandonner momentanément le théâtre et de faire quelque chose juste pour nous. Ce qu'on appelait à l'époque de la Bohème une farce d'atelier, c'est-à-dire une pièce que Nino et moi, nous jouerions sans public. Sans public, sans critique, sans personne. On a fait la poule noire, tous les deux, puis finalement, évidemment, nous ne l'avons pas joué, même nous deux, et elle est partie, elle est restée dans un fond de tiroir, jusqu'en 1937, car ceci se passait en 1933. En 1937, l'exposition internationale a décidé, généreusement, de donner la jouissance de la Comédie des Champs-Élysées à un comité de musiciens qui aurait la charge de faire représenter des spectacles en un acte d'ouvrages ou anciens d'Offenbach et d'autres auteurs du XIXe siècle et peut-être de certaines nouveautés. Alors, nous avons eu la disposition de trois spectacles, de chacun trois pièces d'une heure de durée. Et pour l'un des spectacles, il manquait une heure. On ne trouvait pas de partition digne de figurer dans nos programmes. Et Maurice Yvain, qui est très bon pianiste, déchiffrait avec nous les partitions qu'on nous soumettait, m'a dit « Oh, mais vous avez bien dans vos tiroirs une pièce qui pourrait faire notre affaire ». Je dis « Mais non, je n'ai rien ». Alors, en assistant, il m'a fait dire qu'en effet, j'avais quelque chose dans un tiroir, mais qui n'était pas fait pour être représenté. Alors, il a tellement insisté que je lui ai dit « Écoutez, je vais vous laisser la partition, le livret, je n'assisterai pas à votre séance, vous pourrez dire tout le mal que vous voudrez de cette pièce, ça n'a aucune importance, puisqu'elle n'est pas faite pour être représentée. » Et le lendemain, Maurice Yvain me téléphone en me disant « Eh bien, détrompez-vous, nous avons décidé de donner votre ouvrage, La Poule Noire. » Finalement, on l'a donné. Et ça a été le soir même de la première un immense succès. J'entends encore les rires qui déjà étaient comme le vôtre, c'était celui de Madeleine Millot, la femme du compositeur, je crois qu'il se trouvait dans la salle. Et plus grande surprise encore, le rire de Reynaldo Hahn, lequel me détestait et détestait ma musique. Eh bien ce soir-là... Ça avait marché. Ah oui, oui, il a été très enthousiaste. Et voilà, depuis... Alors, on joue un peu partout. La Poule Noire, on l'a même donnée à New York, traduite en anglais. Je n'ai pas assisté à cette représentation, naturellement. Enfin, un peu partout. Alors, cette pièce obtient, un très grand succès. Or, le sujet est plutôt funèbre, n'est-ce pas? C'est une femme veuve, enfin, qui pleure son mari. Au fond, c'est peut-être méchant. N'est-ce pas? Parce que ça prouve que certains sujets prêtent plutôt à la rigolade plutôt qu'à la tristesse. Enfin. En fait, elle dit une chose sur laquelle je me suis beaucoup interrogée. Elle dit qu'il est peut-être plus facile d'être fidèle à un mort qu'à un vivant. Voilà, alors bon. Ça, c'était quand même c'est amusant, mais c'est aigre, n'est-ce pas? Mais ce qui est très intéressant, Manuel Rosenthal, c'est que vous étiez deux jeunes gens quand vous avez écrit avec votre parolier, avec Nino, La Poule Noire. Et que tous les deux, vous avez fait des carrières assez époustouflantes, parce que lui est parti à Hollywood, et il s'est mis à écrire pour les studios hollywoodiens. Et vous avez fait le tour du monde, en vous donnant le luxe à 80 ans, on peut le dire, de diriger une tétralogie qui est restée dans la mémoire de tout le monde, et puis en étant aujourd'hui toujours aussi
fou de musique, en ayant donné du bonheur à tout le monde, toute votre itinéraire. Oh, c'est très gentil. C'est surtout que je m'amuse tout de même à cette pièce qui est si ancienne. Et je suis toujours étonné d'abord de la qualité du livret de Nino. Le texte est remarquable. Et surtout de voir quel plaisir les interprètes ont à jouer cette pièce. C'est très touchant parce que il y a eu évidemment des quantités de distributions différentes. Toujours, on trouve des interprètes qui s'amusent beaucoup et qui me questionnent au sujet de cette pièce, qui sont très étonnés que je n'ai pas pensé dès le début à la faire représenter. Alors que maintenant, c'est éminemment une pièce qui attire le public, qui l'amuse, donc elle est faite pour la scène. Mais Manuel Rosenthal, que ce soit la Gaîté parisienne, que ce soit cette Poule noire, je prends deux choses qui sont comme ça pleines de gaieté, on a l'impression que le jeune étudiant qui était le confident de Maurice Ravel, que vous étiez, et aujourd'hui le chef d'orchestre que tout le monde connaît, on a l'impression que rien ne s'est jamais démodé dans votre œuvre. Et est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais suivi les modes ? D'abord, et puis j'ai toujours trouvé la vie amusante. Je n'aurais pas dû. Puisque ma mère m'a dit qu'à ma naissance, le médecin lui a dit « Oh, ce petit-là, vous n'allez pas le garder longtemps. » Bon, et puis enfin, bien, j'ai subi comme tout le monde des hauts, des bas, enfin des difficultés, etc. Mais j'ai toujours trouvé la vie amusante et les gens merveilleux. Je suis toujours très curieux de rencontrer des gens, de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent de moi. S'ils pensent du bien, tant mieux. S'ils pensent du mal, je veux savoir pourquoi. Enfin, en tout cas, je suis très curieux. Alors, le théâtre est éminemment une boîte à malice, n'est-ce pas ? On trouve de tous les caractères. Les gens qui viennent au théâtre désirent connaître les êtres humains. Et ils les approchent, n'est-ce pas ? Ils les entendent, ils les voient s'exprimer, ils voient leur regard. C'est merveilleux. Il y a un contact là, permanent qui s'établit et qui me comble toujours de très grands plaisirs. Eh bien, vous nous avez donné beaucoup de plaisir encore une fois aujourd'hui. Donc moi, je me réjouis parce que je sais qu'on a des projets pour d'autres choses, avec toujours, toujours votre musique. Mais puisqu'on l'aime tellement, on va réécouter tout de même le final ensemble. Vous voulez bien ? Ah, mais avec quelle joie ! Merci à l'avance.